Salut, c'est Shunchi et moi aussi pour le 26e épisode de Galactic Overdrive. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode où je vais faire des choses parce que je ne sais pas encore ce que je vais réellement faire. Je sais en tout cas que je vais vous reprendre pour ça. Je veux réaliser un truc que j'ai oublié de réaliser dans l'épisode précédent, c'est-à-dire enchanter. Quoi? Ouais, c'est enchanté ça? Ah, j'ai merdé? Ah, j'ai merdé. Ah ouais, j'ai merdé. J'ai merdi! Ni! Allez, je t'enchante avec tout ceci, ça me fait... Merde. Ici, ça me fait Fire Aspect Ball of Anthropoid avec Knockback 2. On la jette. Test secondaire, on va y arriver. Hop! Knockback 2, toujours poubelle. Allez, on reprend des niveaux. Hop là. Et on met. Et on obtient. On obtient. Smite cac. En fait, je voudrais pas avoir de knockback. Hein. Ils l'ont peut-être pas compris. Peut-être que je me suis mal exprimé. Ah, je me suis pas exprimé. Hein. Hop là. Et une épée supplémentaire qu'on va crafter. On va encore essayer d'enchanter pour espérer obtenir un enchantement plutôt sympa. Tac. Tac. Unbreaking 3. Fire Aspect 2. C'est la meilleure. C'est la meilleure, sachant que l'unbreakable est pas intéressant vu qu'elle est pas cassable cette épée. Bande de zigoto. Hein? Merci, malin. C'est bien, c'est super sympa. Merci à vous. Hop là, et celle-là on la craft encore. Ah, et après j'ai plus de quoi crafter une épée. Quoique ça me coûtera juste un peu de ressources, mais il y a moyen que je la craft. Alors, si je te mets ici, hop. Sharpness 4, Soul Bound et Knockback 2. C'est pas top top, mais elle est quand même bien celle-là. Est-ce que j'aurais pas plus de chance d'enchanter des livres et puis les foutre sur l'épée? Si, je pense. On n'abandonne pas, je garde espoir parce que en fait j'ai pas envie de réfléchir à une autre solution. Sharpness 3, on peut la garder sur le côté. On reprend des petits médicaments. Enfin, des médicaments, des trucs à la con là. Du dopant d'expérience, on va dire. Celle-ci. Ban of Arthropod et Fire Aspect. Ah, c'est quand ça devient intéressant tout ça. Et la dernière, j'ai toujours passé de niveau. Hop, je vais me rechercher quelques éléments de drop, sinon ben je vais pas aller très loin. Youp. Alors, à votre avis, qu'est-ce que je vais choper avec celle-là? Je pense que je vais choper le gros lot. Ban of Arthropod 4. Oh, déception, déception, déception. Oh là là, je suis en train de tout gaspiller. Bon, allez, je recrafte encore. Je me suis recrafté des ingots supplémentaires avec le truc où il faut faire l'opération et tout que j'avais fait la dernière fois. C'est pour ça que j'en avais. Comment ça s'appelle? Recipe. Avec la division sigil que j'ai réalisée, mais bon, ça coûte cher vu que je passe par les semis. Oh, Sharpness 4, Looting 3. On essaie quand même la dernière juste pour le plaisir de voir ce que je pourrais éventuellement obtenir. Mais je pense que là j'ai obtenu mon petit bijou, hein. J'ai obtenu mon petit bijou. Hop, hop, celle-ci que je dois faire passer. Ban of Arthropod, Knockback and Breaking. Ok, ben c'est pas celle-là mon petit bijou, mais celle que je viens d'obtenir juste avant, elle est parfaite. Du coup, toi je te veux pas, toi je te veux pas, toi je t'adore, toi je te veux pas, toi je te veux pas. Ok, du coup on va aller la replacer au bon endroit. Hop, hop. Et bonjour les monstres, préparez-vous à décéder. Pas décédé, je le dis. Hop. Cette épée là, c'est une épée de combat. Elle va vous découper en petites rondelles et me donner tout votre stuff rien qu'à moi. Ha ha ha. Mourez, bande de satanité. Bon, alors les amis, j'ai essayé de faire quelque chose, c'est de concentrer toute mon énergie en un seul point. Je vous avoue, je sais plus si j'ai déjà filmé cette séquence ou pas, parce qu'il y a une semaine entre le moment que j'ai fait la dernière séquence et cette séquence-ci. Et j'ai pas envie de me retaper toutes les premières minutes d'épisode, pour être franc. Soit, donc du coup j'ai fait une grosse batterie ici, qui n'est pas encore terminée, il faut encore que je fasse une longueur. Et donc en fait le but, c'est que chacune des capacitors arrive là-dedans. Donc je vais faire autant de câbles différents qu'il faut pour avoir un nécessaire suffisant que pour pouvoir aller dans ce sens-là. Cette phrase n'était pas claire ni compréhensible, mais c'est pas grave. C'était un début, un entraînement. Quoique si je fais... Ouais, en fait non, je pourrais faire aussi ça comme ça et dire Only Output. Output c'est juste la sortie, Input c'est l'entrée. Donc l'Output
C'est juste sa sortie. Et donc si je mets à chaque fois output, ouais, voilà. Soit, tout ça pour vous dire que je vais réunifier toute l'énergie que je forme en un seul point. Et donc là j'arrive à 11 000. What? Ah ouais, tu te vides grave, toi. Mais toi aussi, je veux que ce soit selon l'output alors. Laisse-moi deviner, tu veux aussi te vider grave. Oh ouais, sacrément même. Ah ouais. Et donc, vous envoyez toute l'énergie là-dedans, et là, ça se remplit à 30 000 rêves par tick. Ok, bon. Là, c'est ma solution pour vider. Ok, soit. Donc, mon plan, c'est de réunifier toute l'énergie en un seul point. Alors, d'un côté, il y a les transceivers. Qui vont recevoir l'énergie. Et après, de l'autre côté, il y a les transceivers qui vont recevoir l'énergie. Donc il y a deux transceivers, deux types de transceivers. Alors ici, ceci un qui va encore recevoir. Donc on va le poser là. Et toi, tu vas créer donc un nouveau channel d'énergie qu'on va appeler Moon pour la Lune. Plus, et tu vas être dans Receive. Et ça, on s'en fout. Ok, donc maintenant il faut que j'aille sur la Lune. Comme ça me fait des sets d'énergie supplémentaires, hein. C'est bien ça l'idée. Pour l'idée, pour avant d'aller sur la Lune, l'idée c'est que je remplisse vraiment à fond mon énergie, que je n'ai plus de soucis d'énergie une fois que je suis sur la Lune, parce que si vous faites des modifications toutes les 3 secondes pour revenir, bon ça tombe la Lune, une fois que je serai sur la Lune, j'aurai fini mon objectif en 5 minutes, tu vois. Mais dans le doute que ça ne se fait, que ça ne se fasse pas en 5 minutes, ce qui risque d'être plutôt probable, ben je préfère passer comme ça. Ok, donc. Un petit coup de lag, ça c'est la génération du monde. Ok, on met donc un transceiver ici. Et toi, on va te dire. Je veux que tu send l'énergie de la moon pour le moment. Pour le moment, je veux juste envoyer l'énergie que je me produis ici, voilà. Et je veux juste dire ici, output. Voilà. Donc, pour le moment, tu vas vider toute l'énergie qui est en train de s'accumuler dans les panneaux solaires. Bah, tu vas directement l'envoyer sur ma Terre. Et donc, ça me fait un slot d'énergie supplémentaire, ce qui est plutôt pas mal. Bon, ça commence à devenir très très dur. Toutes mes ressources sont parties à une vitesse énorme. Alors, toutes les ressources, j'exagère. Mais j'ai quand même pas mal de ressources que j'utilise énormément, qui ont vu leur stock disparaître en très peu de moments, en très très peu d'instants, parce que bah déjà se crafter des capacitors banques, et bah c'est pas gratuit, croyez-moi ou non, mais ce n'est pas du tout gratuit de les réaliser. Ça coûte énormément de ressources de crafter une capacitor banque, et là j'en ai crafté bah, un bon paquet. C'est du je pense que je suis parti sur un design de 5 x 5, c'est ça? 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ouais. 5 fois 5, ça me fait, fois 5, ça me fait 125 capacitor banque, et ça c'est juste énorme, hein. C'est exagéré la quantité de ressources que j'ai dû consommer pour les réaliser. Alors, en plus de tout ça, ben, ça me produit aussi des générateurs, ça me produit de la consommation, enfin ça me fait de la consommation au produit pour créer l'énergie, et donc du coup je suis obligé de me renouveler. Du coup j'ai crafté, bah pour renouveler encore des solars, mais des solar générateurs de extra utility qui ne sont pas du tout gratuits parce que ça me réclame des blocs de diamants. Et si je tape diamond, et ben vous allez voir ben, que je n'ai pas beaucoup de diamants. Du coup, il faudrait que je réfléchisse à un système pour automatiser la production de diamants, mais d'une autre manière. Mais ça, je vous l'ai déjà dit, soit c'est pas grave. Soit maintenant, il faut automatiser l'utilisation des solar panels de solar générateurs d'extra utility. Et tout le problème est en fait le fait que ceux-ci ne peuvent pas et produire de l'énergie et donner l'énergie. C'est-à-dire que s'ils la produisent, c'est avec la lumière du soleil, et puis ils la donnent, bah, ils génèrent plus à ce moment-là. Du coup, le tout, c'est de savoir comment faire un système correct pour générer de l'énergie. Alors, bien sûr, avant de venir ici, j'ai un peu réfléchi au problème et j'ai trouvé déjà partiellement des solutions. Déjà, on va se crafter un monitor. Mais est-ce que le moniteur est vraiment la bonne solution? Je ne sais pas. Oui, si, non, peut-être. Ah, je sais pas. Mystère. Ou sinon, je mets un sunlight. Mais attendez. Déjà, si j'en pose un à terre, est-ce que j'ai un. Ouais, non, je peux juste recevoir l'énergie. Il faudrait que je dise qu'il produit de l'énergie à partir du moment qu'il atteint son maximum. Mais comment je peux dire qu'il produise de l'énergie à partir du moment qu'il atteint son maximum? Et le monitor, ça se crée comment, le monitor?
Parce que c'est temps que j'ai attendu longtemps le craft. Non, oh, monitor, je dois savoir les crafter, ça réclame pas de ressources spéciales. S'il vous plaît, monitor! Monitor! Viens, s'il te plaît. J'ai réfléchi, on ne doit pas procéder par un monitor, mais par un système de clock. Alors, ça génère du 304 EU par tick. Ok. Du 304? Du coup, pour une valeur, ça. Ah ouais, c'est vraiment du 304. Du 304, sachant qu'il y a par tick. 304 RF par tick. 1, 2, 3. A votre avis, combien de temps il faut pour le remplir à fond? Ah ben c'est une très bonne question. Je me posais justement la question. J'ai perdu ma calculatrice. C'est-à-dire que je dois juste faire 800 000 divisé par 304 divisé par 20. Et fois 20, je pense. Et que divisé par 20, il y a 20 ticks dans une seconde, c'est ça? Alors, ma petite calculatrice, tu es là. Hop, hop, hop. Je suis en train de... Tiens, pourquoi tu ne génères plus que 288? Ne viens pas me dire qu'il gère aussi l'orientation du soleil. Oh, si, on dirait bien que si. Ah ouais. Eh! Mais non, mais attends, il est en train de descendre. Ah ouais, il est en train de descendre. Ouais, du coup, on va faire un système de tick aléatoire. On va faire. Ouais, 300, 272, ok. Ok, il perd de l'énergie au fur et à mesure que le soleil décroît. Bon, ça, c'est déjà une information à savoir. Je la garde en tête. Maintenant, c'est de savoir. Bah, du coup, il n'y a plus de calcul à faire pour savoir combien de temps il va le remplir, vu que c'est des temps aléatoires par rapport au timing de niveau de soleil présent. Il faut que je lui dise de fonctionner. On va faire une boucle toutes les 2 minutes, hein. Ouais, on va faire un truc toutes les 2 minutes. Donc, on va se crafter un timer et un RS bazar chouette là. Tac. Ok. Bon. Et maintenant, c'est la partie amusante que j'ai toujours voulu. Que j'ai toujours aimé. Le truc, c'est de lui dire que lui, toi, tu vas déjà faire un tour toutes les 2 minutes. Ah, c'est des microsecondes, putain. Toutes les minutes 80, donc les 90 secondes. On va faire un tour sur tous les 90 secondes, ok. Je veux qu'à ce moment-là, tu envoies un signal de redstone. Donc, il me faut pour ça de la redstone. Vous l'avez deviné, c'est bien, merci. Je sens que je vais galérer sur ce système encore à la con. Mais bon. Redstone. Ok. Donc, il me faudra donc de la redstone. Et donc, il va envoyer un signal. Ici. Voilà. Non, pas là comme ça. Ah, c'est dur ce bazar, je pensais que j'allais le casser en un coup. Donc, je veux que tu envoies un signal dans un premier temps sur ta droite. Et là, c'est nice. You can work. C'est-à-dire que tu ne peux pas travailler. Et puis, dans un certain moment, il va envoyer un message et se faire pif. Et là, ça va être You can work. Si ça marche comme ça en 2 machines, je suis fier de moi. J'y crois pas trop. Hein. On va rester que d'accord. J'y crois pas trop. Alors, il reste plus ou moins un quart du trajet. Un quart de 90, ça fait 15. 15, 60. Non, c'est pas 15. 30 divisé en 4, ça fait combien? Je pense pas que c'est divisible par 4. Ah, c'est con. Bon, donc là, tu m'envoies un signal à redstone et. Ouais, attends. On va mettre des tours beaucoup plus petits. Donc là, t'as renvoyé un signal. Attends, j'ai envie de savoir si tu renvoies un signal, est-ce que ça change un truc ou pas dans l'histoire? J'ai l'impression que ça a rien changé. Hein. Mais non, ça a rien changé parce que tu t'es déjà fait brouiller par la piste là. Il faut que je modifie la position du bazar. Donc il faut que je t'aille dans Project Red. Project Red. Et je pense qu'il y a un outil dedans. Il y a un petit outil dans Project Red qui va être tout sympathique. Et qui va pouvoir normalement m'aider à tourner. Il n'y a pas un screwer ou un truc comme ça? Ah, c'est celui-là. Le screwer électrique. Non, pas électrique, je veux pas électrique, je veux le classique. Le screwdriver. Voilà. Tac. Et donc, logiquement, avec ça, je peux modifier les clics ici. Donc là, c'est pour changer la position. C'est pas la position que je veux, c'est. Ah!
Attendez. On va voir ce que ça donne. Tic! Et il envoie le signal de l'autre côté. Donc là, je parie que c'est ici que ça devient coloré. Et dans 5 secondes, si ça revient, ça va être bon, je pense. Non, c'est pas bon parce que là, je modifie plus. Je modifie plus le tic. Ah, ça c'est chiant. Comme ceci. Est-ce que tu modifies quelque chose? On va mettre son raton encore plus petit. On va mettre 5 secondes. Donc là, tu as modifié. Là, tu modifies pas. Donc là, il remodifie pas. Tac. Là, c'était l'initial. Là, c'était l'envers. Celui-là. Il va modifier. Mais j'ai l'impression qu'il pourra modifier qu'une seule fois l'histoire. Il modifie une fois. Et après, je dois envoyer une information de l'autre côté, à mon avis. Attendez, et si je fais le système en plus compliqué? Ça veut dire que ça, je vais le poser ici. Hop, que je prends le signal, tac 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 tac. Mais ça c'est un double signal que j'ai envoyé. Il change. Il rechange. Il rechange. Il rechange. Il rechange. Parfait. Donc c'est un système qui fonctionne. Donc en fait, dans un premier temps, je sauvegarde ma donnée pour lui dire de changer. Et dans un deuxième temps, j'efface ma... Mon... Il a bugué là, non? Là c'est bon. Là, voilà, là il a bugué. Et là c'est bon. Là c'est bon. Là il va bugger, c'est ça? Là c'est rebond. Là c'est plus bon du tout. Ouais, c'est pas bon comme système. Il faut que je modifie. Il faut que je m'en trouve un autre. Changement de programme. Tac, là c'est bon. Tac, là c'est bon. Tac, là c'est bon. Voilà. Le toggle latch. Alors bon, avant j'aurais pu vous informer de tout ce que ça signifiait, les toggle latch et tout ça. Mais je dois vous avouer que depuis que j'ai... Depuis 1.4.7, depuis MGSC, j'ai fortement arrêté d'utiliser tout ça. Alors qu'avant je connaissais parfaitement ce que ça signifiait quand je jouais à Minecraft Vanilla et tout ça. J'arrivais à le faire en Vanilla. Mais alors là maintenant, vous dire à quoi ça correspond le toggle latch, aucune idée. Le seul truc que je peux vous confirmer, c'est que ça fonctionne et c'était le but recherché. Et voilà, j'ai automatisé le système, mais cette fois-ci à l'envers, donc je l'ai mis dans le sol. La question c'est est-ce qu'il va marcher comme je veux ou pas? La gate va bientôt arriver au bon endroit. Alors je sais pas vous, mais ça fait hyper mal à la tête comme ça d'être à l'envers. Regardez vers le haut, ah voilà, ça fonctionne, l'énergie s'est déclenchée. Et donc là normalement... Ah oui, donc il libère bien l'énergie. Du coup, je dois en produire un petit peu sur la batterie qui est là-bas, ici. Voilà. Et sinon, je produisais 4000 RF. Et maintenant, je suis à 5000. Du coup, j'ai gagné plus ou moins, on va dire 2000 RF. Hein, comme ça, je suis bien. On va dire 2000 RF. Non, c'est 320 x 10. Ça aurait été 3200. Normalement, non, la production. Normalement, je suis censé produire 3200 RF. Pourquoi je produis si peu alors? Je sais pas. J'ai strictement aucune idée. Charging à plat, reste un signal, tu transmets l'énergie. Je sais pas, normalement je dois faire 320. Enfin, j'ai peut-être mal calculé, hein, j'ai dit ça comme ça, 320. Soit, ça produit une certaine quantité d'RF, c'est de l'énergie gratuite. J'ai mis une gate donc avec 1 minute 30, donc ça me fait de l'énergie. Et donc là, je vais bientôt arriver à remplir la totalité de ma vibrante capacitor banque. Et ça, c'est avantageux quand même, mine de rien. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle sera remplie, je pourrai enfin me lancer dans l'espace. Et puis je me dirai qu'une fois, une fois que je serai sur l'espace, de toute façon je vais me lancer sur le craft d'un big reactor et tout ça, qui va tourner dans l'espace. À voir si l'énergie je vais m'en servir pour alimenter la base ici ou pas. Je n'ai strictement aucune idée. Mais là normalement, avec la quantité d'RF que je me suis produit, avant d'arriver à court des 3 millions 3 milliards 125 millions d'énergie. Ah ouais? Ah ouais quand même. J'ai peut-être un petit peu exagéré sur la quantité. Peut-être. Ou peut-être pas. Bon, vu que je fais des sources d'énergie, on s'en crée une nouvelle. Allez, on va faire fonctionner le biogénérateur de mécanisme. Hein. Alors la question, c'est de savoir où le mettre. Très très bonne question. Où est-ce que je vais mettre mon biogénérateur? Je pense que je vais le mettre par ici. Je vais faire une ligne là, tac tac tac, et je redescends là-bas. Allez, on va faire ça. Donc on va faire ici, alors je vais pas poser le sol. Ah merde, j'en ai pris qu'un seul de biogénérateur. Hop. Tout 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 tout. Ah non,
Ah non, j'ai cru que c'était un crash, j'ai eu peur, c'est pas grave. Donc du coup, on va poser ça là-dessus. Je me vois bien faire une forme de V, sachant que l'énergie, on va faire sortir par derrière. Les items, on va les mettre par en bas, par contre, ok. Donc, si je mets ma première machine, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Donc la première machine, c'est... Ah non, attendez. Ouais, si, je peux faire ça comme ça. Donc lui, on va juste mettre des upgrades d'énergie. Ce sera largement suffisant. Alors, on va... Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est ici. Split, ok. On veut faire l'input par le dessus. Et l'output par le dessous, ok. Est-ce qu'il y a une autre case? Non. On est d'accord. Donc là, ça va fonctionner. Ensuite, tout le long sur le côté, on va foutre ces petits générateurs comme ça. Tac, tac, tac. Ah ouais, mais là, il y a un petit stud comme ceci. Je pense que j'en aurai encore une de machine. Peut-être plutôt poser ceci ici. Et mettre la machine ici au centre. Comme ceci. Voilà. Et donc, toi, tu vas garder dans tes options. Ouais, c'est bon. Et après, je dois creuser tout le sol pour... Ouais. Bon, attendez. Je crafte la pièce. Enfin, je crafte la pièce. Je construis la zone dans laquelle je veux m'aménager. Et une fois que c'est fini, je vous reprends. Allez, à tout de suite. Et voilà. J'ai fait mon petit système. Oh tiens, j'ai un petit coup de lance, c'est pas grave. Donc j'ai fait mon petit système. Donc là normalement je suis censé recevoir. Tiens, pourquoi je ne reçois rien? Toi tu les crées et tu ne les éjectes pas. Pourquoi? L'éjectation c'est bien pour le bas. Et je viens de tout automatiser. Ah attendez, laisse-moi deviner. J'ai oublié de faire ceci. Ah bah voilà, c'est tout changé je parie. Et là vous êtes directement les machines qui commencent à fonctionner. Conclusion, si je clique ici. Ici? Non, ici? Ah bah voilà, celle-ci va commencer à former de l'énergie. Oh. Et donc produisent bien de l'RF. Alors là, jusqu'à présent, je créais de l'énergie. J'ai juste à nous poser une question. Si je fais un capacitor. On va utiliser celle qui est déjà presque pleine. Hein. On va pas se priver. Que je pose mon capacitor ici. Voilà. Que je clique dans les paramètres et que je lui dis... Celui-ci, output uniquement. Donc déjà il va se vider vitesse grand grand V. La question c'est est-ce que le système ici va avoir assez d'énergie ou est-ce qu'il va avoir une perte d'énergie? Je pense que normalement il devrait avoir assez d'énergie. Et puis ça crée assez rapidement le truc de Roton vu que ça le fait à plusieurs moments à l'instant. Ça devrait aller. Et donc là par exemple je produis 280 RF particules. Donc ça me fait 2800 RF particules supplémentaires. Du coup je devrais être autour des 7000 non? Ah non des 23000. Parce que là, c'est la bad box qui est en train de se vider, la capaciteur qui est en train de se vider avant tout. Celle-ci, ouais. Alors, je vais faire un design pas trop compliqué. Hein. J'aime bien le fait de faire mes petites constructions sur des zones à deux couleurs, comme ça, sur des pavés à deux couleurs. Je trouve que ça rend plutôt bien. Alors, par contre, ça, le gros câble ici, tout dégueulasse qui pendouille dans tous les sens, je vais essayer de retrouver un intermédiaire pour changer tout ça. Parce que ça, c'est vraiment horrible par contre. Mais ici, ça me plaît plutôt bien. Du coup, quand on arrive ici, quand on descend ici. Bon, ça va, on a des petites constructions qui commencent à se former à gauche et à droite. Ça commence à remplir la zone. Alors, elle, la question c'est est-ce que je remplis la totalité du cube ou pas? J'en ai strictement aucune idée. Donc, 4500 RF. Ah, je produis pas autant que je pensais. Et si je casse ceci, je suis à 406 RF par tick. C'est la capacité que je produis. Ouais, c'est peut-être du tout ce que j'espérais. Je m'attendais beaucoup plus. Pourquoi? Parce que j'imagine que tous les intérêts autour de la machine ne fonctionnent pas encore. Ok. Ils les consomment vite ou pas les biofuels? J'ai l'impression que ça va correctement. Du coup, il va arriver à tous les remplir d'un coup. De toute façon, c'est pas une ressource qui me consomme énormément d'énergie. De ressources, vu que je prends de la Rotten Flesh. Et la Rotten Flesh, c'est pas un élément qui manque, vous voyez. Donc du coup, ben, ceci marche parfaitement bien. Les petits moteurs se remplissent 1 à 1, donc c'est bien. Moi j'aime bien le petit système. Alors bien sûr, ici, si je les ai mis en hauteur, c'est pour que mettre quelque chose en dessous. Hein.
Mais je suis pas encore à la mode, on va changer tous les blocs et tout ça. Ça, je le ferai plus tard quand j'aurai bien fini, bien avancé au niveau de la progression des constructions, des crafts et tout ça. Et voilà. Enfin, plein de choses, quoi. Bon, vous savez quoi, les amis? Moi, je vous dis qu'on va se retrouver dans le prochain épisode. Parce que là, ben, je vois plus trop quel type de générateur je pourrais encore créer. J'ai presque atteint la totalité de la batterie que j'ai essayé d'alimenter depuis tout à l'heure. J'ai rajouté ici le petit écran. Alors, c'est quand on rajoute le petit écran. En utilisant le wrench, hein. Je pense que je peux le faire par-dessus. Non, par-dessus on peut pas. Mais ça va être... en faisant des clics, après un certain moment, il y a une barre qui apparaît. Et ça permet de gérer. Oh tiens, plus 7000 tout d'un coup. J'ai une nouvelle source d'énergie qui a commencé à me fournir de l'énergie. Tiens, c'est bizarre. On était bloqué à 5000, là on vient de monter à 7000. Ou c'est une source qui a arrêté de consommer. Ah, c'est aussi possible. Soit. On se retrouve donc dans le prochain épisode. Comment je l'appelais celui-là? Récif de la Moon, ouais. Sauf que là, ça doit être scène vers la Moon la prochaine fois. Attendez, comment j'ai géré ça? Je vais faire un scène et un récif, peut-être. Je vais faire un scène et un récif, comme ça. Il va et recevoir et éjecter. Ouais, donc là, c'est un petit peu diminué parce que je suis en train de remplir la batterie de l'autre côté, je pense. Mais soit. Ou j'en mets deux. Un moon solar panel que je reçois. Et ouais, ça j'aurai ça plus tard. Soit. Dans tous les cas, la prochaine étape c'est l'étape lune hein, pour moi. On va essayer de se diriger vers là-haut en espérant débloquer tout ce qu'il faut pour pouvoir. Donc en fait, c'est l'iridium et l'uranium. Tout ce qu'il faut donc pour pouvoir faire les nouvelles étapes, les nouveaux éléments. Et puis pour pouvoir enfin progresser dans mon aventure. Tandis que ma base est petit à petit en train d'évoluer au niveau de la construction. Le design de devant, je l'aime plutôt bien. Alors, la question que je me suis posée aussi quand j'ai construit, c'est ici. Alors, ici, normalement, en fait, je me suis dit que je vais faire aussi un petit truc un peu plus différent au centre. Alors, la différence, la question que je me pose, c'est est-ce que je fais la même chose ici ou pas? Et que je me contente juste de le faire sur les étapes suivantes, je sais pas. En tout cas, le toit me prend énormément de temps à se réaliser. Hein. Chaque bordure me prend. Chaque tranche comme ça me prend facilement 45 minutes. Hein. Donc du coup ça me prend plus de temps et celui de devant ça me prend facilement 1h30 le temps que je réfléchisse au design et tout ça. C'est une belle question de temps, mais globalement ma base est en train de prendre forme. Alors je sais par contre j'ai vraiment très peur, c'est maintenant que je vais devoir réaliser le village en bas. C'est le truc que j'attendais depuis longtemps de pouvoir réaliser. Et maintenant que je suis arrivé presque à l'étape de réalisation, bah, ça commence un petit peu à m'effrayer, hein. Mine de rien c'est quelque chose d'assez impressionnant, soit. Dans tous les coups, voilà encore un épisode où j'ai pas encore réalisé grand chose, j'ai juste utilisé et créé des sources d'énergie. Tout ça pour pouvoir enfin en profiter pour aller dans l'espace, c'est ce que j'attendais depuis un bon moment. Dans le pire des cas, si je vois qu'une fois que je suis arrivé dans l'espace, ma batterie commence à descendre en énergie, je me ferai un big reactor et j'alimenterai sans souci ma base avec le big reactor. Et je me ferai quand même des autres sources d'énergie par la suite et tout ça. De toute façon, il y a un réacteur nucléaire, il y a encore plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Mais dans tous les cas, moi je vous dis ça, salut et à la prochaine pour le prochain épisode. Bye! Toute résistance serait futile.